si je vais sur la scène du jeu vidéo, comment est-ce que... Ah, on est bien. Pas de problème de fond vert, mais c'est rare. C'est tellement rare que ça mérite d'être souligné. Oh là là, on est parti. Alors, Call of Cthulhu, si je me souviens bien, nous sommes un détective qui enquêtait sur... Oh, coucou, tu veux voir mon Cthulhu? Et Arrivo qui offre les 5 subs! D'un coup, bim! Eh bien, GG, Steffi! Alors, attendez, j'arrive pas à lire, c'est remonté! Bon, en tout cas, il y a Poutrel, fils de poutre, Jojo, Ellie, et j'ai raté. Tu veux voir mon Cthulhu? Arrivo qui veut le vlog. En tout cas, merci beaucoup, Arrivo, et merci pour merci beaucoup pour le soutien. Bah, c'est validé, hein, du coup, hein, c'est validé. Et on est à 149 sur 150. Oh coucou, my god! Tu veux voir mon Cthulhu? Attends, ça s'est peut-être pas actualisé, c'est ça le pire. Il veut le vlog, et bah, il l'aura, hein, il l'aura. C'est dit. Et du coup, tu as la petite émote de coucou, sub. Tu veux voir mon Cthulhu? Trop mims. J'étais en train de sortir ma carte. Pourtant, tu es un Twitch Prime. Tu sais que tu peux t'abonner gratuitement du coup à une chaîne sans sortir la carte coucou, bleue. Et ça, c'est l'avantage. Mon Cthulhu. Et Yosh Wolf qui s'abonne également. Bah, merci à tous. Merci beaucoup. Encore un sub. Voilà, on est à 154. Bah, le live cuisine, il est validé. Hein, genre. Le Cthulhu qui spam. Bon, bah, c'est validé. Live cuisine, incroyable. Alors j'irai poser la question aux amis sub. D'ailleurs, si vous venez d'être sub et que vous avez votre compte Twitch qui est lié au compte Discord, pardon, sachez que vous avez accès maintenant à un canal. Oh mon dieu, un homme est apparu. Un canal dédié pour vous sur le Discord où il y a ce genre d'interaction un peu genre qu'est-ce qu'on fait à manger la fois prochaine. Aïe. Je me tape là alors que hier je me suis coincée la... Ça se voit pas trop mais moi je sens. Je me suis coincé la main entre le bureau et la chaise, ça fait horriblement mal. Et j'avais les marques, et là c'est encore un peu... Enfin moi je vois les marques d'ici, mais vous voyez peut-être pas. Mais je les ai, là, juste là, c'est tout enflé et tout. Hâte d'apprendre une recette, bah allez carrément. Bon allez, retournons dans notre aventure, Call of Cthulhu. Donc je disais, on est un détective qui enquêtait sur un plus ou moins meurtre... dans un manoir, sauf qu'au bout du compte, il s'avère que la femme n'était pas morte du tout. Nous l'avons retrouvée enfermée au fin fond de l'hôpital psychiatrique, j'allais dire du quartier, mais de l'île en fait. Hein. C'est l'île, enfin c'est l'île, pas là où j'habite, hein, mais c'est une île qui s'appelle Darkwater, si je ne dis pas de conneries. Son mari, qui était pour nous le coupable de la situation, au final... Mais ça fait peur. Au final, il était devenu mi-homme, mi-poulpe. On sait pas trop comment ça s'est arrivé. Mais il y a quand même un peu, voilà, d'ésotérique. Il se passe des choses bizarres. Il y avait le démon aussi qui nous a poursuivis dans l'hôpital psychiatrique. Avec nos deux lanternes, on s'en souvient. Et voilà. Donc on va bien voir ce qui nous attend. Je ne sais pas. Voilà. Après la mort de Colden, Pierce, victime d'hallucinations, a progressé dans l'Institut Riverside jusqu'à découvrir Sarah Hawkins, vivante prisonnière du docteur Fuller. La fille sur qui on enquêtait, c'est elle. La dernière confrontation entre Charles Hawkins et sa femme aura révélé que l'homme, sous son apparence monstrueuse, mi-homme, mi-poulpe, tentait de protéger celle-ci de l'influence du mythe. Il l'a mis Pierce en garde. Pierce et nous. Si Sarah succombe à l'attrait de l'occulte, elle perdra tout libre arbitre et permettra au culte de réaliser leur plan, invoquer un ancien dieu maléfique. Le Cthulhuloulou. Désormais, Pierce doit en savoir plus sur les intentions de Sarah Hawkins et trouver un moyen de la protéger. Voilà, vous savez tout. Mais du coup, c'est assez incroyable parce que c'est très tiré par les cheveux. Mais en plus, j'ai l'impression que suivant ce qu'on dit, ça peut avoir une répercussion sur le futur. Donc, ça peut être compliqué. Hein. Beaucoup de drogue. Oui, oui, là, les développeurs ont eu un maximum. Nous aussi, peut-être un peu, pour jouer à ce jeu-là un samedi matin. Mais c'est toujours des ambiances de matinale très très sympathiques hein, que je vous propose. Mais au moins, t'es bien réveillé, hein, avec un petit cri dans tes oreilles de Nao qui a peur de quelque chose. Ah oui, on cherchait une amulette. Voilà, on était là, on avait parlé à ce mec. Donc lui, c'est le libraire de l'île, dirons-nous.
bibliothécaire de son état, et c'est chez lui qu'on avait trouvé le livre, trop chelou, fait, écrit avec du sang, recouvert de peau humaine et tout. Et donc bref, là on a pour mission de trouver cette statue, donc là on s'était dit qu'on allait partir dans une exploration du manoir de Zerator pour retrouver cette statuette, donc bah je propose qu'on fasse ça maintenant. Je viens de regarder Hulk, je suis déjà bien réveillée. Bah ça tombe bien. Alors n'hésitez pas, si vous voyez une statuette, ouvrez bien les yeux. Ouvrez bien l'œil et le bon. Puisqu'il va nous falloir... Je sais plus à quoi ça va nous servir concrètement. Mais ça doit nous servir à quelque chose. Donc il faut retrouver cette chose, d'accord? Donc visiblement, ce sera probablement à l'étage. J'ai pas repris le petit placard derrière le... Attends, ça ressemble à ça, non? Non, il manque très clairement une barbe. Il manque la barbe de Ragnar. Donc ça ne va pas. Est-ce que tu crois qu'elle sait où c'est? Arf, réveil difficile, j'ai mis quelques minutes à comprendre que tu n'avais pas joué au... Au code! Ah, Call of Duty? Et je dois aller au travail après. C'est parti pour de l'urbex. Peut-être qu'elle sait, elle. Et madame... Ça, c'est Sarah Hawkins. Non, elle ne répond pas, visiblement. Attends, mais... Pas du tout, en fait. J'ai un objectif principal qui est de trouver l'amulette et l'objectif secondaire de trouver le buste. Ah, c'est deux choses différentes, alors. Eh ben, on n'est pas sorti des... C'est qui, lui? Ah, lui, c'est le flic. Lui, il était amoureux de l'infirmière qui est décédée. Enfin, pour une fois qu'il fait jour dans ce manoir, c'est quand même plus agréable de s'y promener, on va pas se mentir. Mais c'est pas très rangé, quoi. À mon avis, ça va être derrière une porte dérobée où on n'est jamais rentré. Type là. Ah! Bah la voilà! Le buste! What? C'était dans son oreille? Il avait un parchemin dans l'oreille, le type. Il y a peut-être une salle de crossfit au sous-sol. Non mais on va pas aller faire de sport. Hein. Cette esquisse doit me guider jusqu'à l'artefact dissimulé par Charles Hawkins. Où l'ai-je déjà vu? Oh. Avec un crâne et tout? Oh, je sais pas, un miroir? Une chambre peut-être? On va regarder dans les foutus tiroirs quand même au cas où. Ça y a des tiroirs et des tiroirs. Ça ressemble peut-être une chambre à coucher. Ouais, genre ça. Ce truc pas éclairé là. On voit que dalle. Où est ma... J'avais pas une lampe. Ah, voilà. Non mais on va y aller au briquet. Yes. Parce que le briquet, c'est ça consomme pas de d'huile. Et moi, je suis pour l'économie d'énergie, d'accord? Pas très propre la chambre. Bah écoute, ça aurait pu être pire en vrai. Hein. Et visiblement non, il n'y a pas du tout de miroir. Enfin... Non, c'était pas un miroir. Pop. En fait, on est déjà passé là un moment où on explorait dans je sais plus quelle scène. Ah, ça va peut-être être dans son atelier de peinture. Pour folle. Pas du tout. Visiblement non. Ah, pourtant ça ressemble à la tête du gars de fou. Mais il manque le crâne. Je sais pas ce qui est le plus bizarre entre qu'il y ait un truc dans l'oreille ou que je lui ai fouillé l'oreille. J'avoue, je sais pas. Je sais pas moi-même, tout ça est un peu confus. Mais en fait on va vite avoir fait le tour. Hein. Il reste des trucs à l'étage. C'est là! Oh, mais si, mais c'est ça! Oh, yes! Et on n'aurait pas pu avoir l'idée avant de regarder dans cette boîte! This is the amulet. Et ben voilà l'amulette! Nickel! Je viens d'avoir une vision de fou, non? Ah, j'ai des points à attribuer à mon personnage. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Ah bah non, visiblement, j'ai qu'un point à attribuer. On va le mettre.
en force. Visiblement, j'en manque un petit peu. Bah non. Hein, on veut valider, évidemment. Yes. Comment fais-tu pour live à 10h? Eh ben, je me lève à 7h30. En même temps, moi, je suis pas vraiment au week-end, genre... Mon jour de repos, c'est le mardi actuellement. C'est là où je mets pas de réveil. J'arrive plus à mettre juste rien. Non. Bon bah, condamné à avoir mon briquet dans la main, encore une fois. Hein, parce que je sais plus comment je l'enlève. Et je vais montrer l'amulette à Drake. Alors, Drake, c'était le bibliothécaire. Hein, donc, on descend. Peut-être qu'il va nous apprendre à ranger notre briquet. Ça va être incroyable. Attends, ça doit être une touche. Oh, je sais plus. 7h30, ça va, moi je me suis levée à 4h30. 4h30, c'est tôt, hein, tu vois. Tu te lèves aussi à 7h le dimanche. Yes. Enfin, 7h30 du coup, hein. 7h, faut peut-être pas abuser. C'est une demi-heure d'écart, ça fait grave la diff. Mais ouais, je me lève tôt pour être productive, tu vois. Ah, it's you again. Ah bah voilà, on a rangé notre briquet en lui parlant. C'était la strat. Bah, on lui donne l'amulette du coup, hein. I think I've found what we're looking for. Let me see that. Tenez, yes, monsieur. That's it. Nous sommes sauvés. Nice. Bah voilà, fin du jeu du coup. I must tell Mrs. On doit aller voir, yes, Madame Hopkins. Ah bah non, on rallume notre briquet pour aller la voir, c'est plus sûr. Attends, je vais mettre mon point en force. S'il faut maîtriser la dame, sait-on jamais. Tu te lèves à 8h30 le week-end. Bah en vrai, pour un week-end, sachant que tu te lèves tôt la semaine... Elle est plus assise. Elle est debout devant la porte, prête à s'échapper. Salut, Sarah. I have it. It's a strange amulet. I hope it will protect you, considering that nothing will help you change your mind. Genre on l'allumait autour de cou et tout va bien. You must understand. I already went too far. What have you seen that's so terrible? You convinced yourself that you had to risk so much. I can't tell you now. This story is going to end badly. Elle ne bouge pas la bouche quand elle parle. Yes, Chief West is here with Sullivan. Qui? Mais j'attendais personne. Bradley. You take care of Sarah. I will deal with them. You sure? All right. Moi 6h30 et je vais courir jusqu'à 8h, au moins ça réveille. Ah ouais, bah tu vois, vous êtes dans la Yes Live vous aussi, hein. Bah ça c'est des flics visiblement. Ils ont pas l'air très sympas. C'est des flics corrompus peut-être. I've been hearing about you a lot lately. Ah bon? You seem to enjoy causing trouble. Comment ça? Nice job, chief. You got me. Great place. Ouais, la voiture a été genre toute rouillée. You can try to play smart with me all you want, Pierce. Witnesses have identified you. Ah, c'est pour ça qu'on nous arrête. Witnesses. On a mis le feu. That's not the C'était plutôt Sarah. Story, is it? I don't care about your stories. Save them for the judge. Mais où veut nous amener l'histoire? We base our investigation on facts and testimonies. You might want to try that next time. You bet I will. Oh god. Mhm. Bah écoutez, ce chapitre est très très court. Avec l'aide d'Aldegernon, c'est drôle comme prénom, Drake, Pierce a obtenu une amulette censée protéger Sarah Hawkins des puissances maléfiques qui la convoitent. La peintre lui a révélé sa volonté de traquer et tuer le vagabond dimensionnel afin d'expier ses péchés. Avant que Pierce n'ait pu l'en empêcher, il a été arrêté par la police. Ah, du coup, elle va y aller seule. Donc notre but va être de nous échapper, j'imagine, du poste de police de Darkwater. Ouais, déjà un chapitre. C'était le chapitre « Cherche l'objet dans le manoir de Zerator ». C'est Prison Break maintenant. Exactement. Ah, mais on est carrément foutu en cellule, genre, c'est la garde à vue, hein, genre. You know, I've heard a lot about you, Mr. Pierce. Ah bon? All good, I hope. It appears that you've been involved in a variety of misdemeanors non, since your arrival on Darkwater. Plusieurs délits. Private property, twice.
aggression, insulting behavior, and to top it all, arson. Mm-hmm. Pourquoi... je suis pas sûre qu'il le prenne très bien si je lui ai dit « Vous êtes mal placé pour parler ». C'est moi ou même le poste de police est aussi pourri que le parleur. Ah mais tout dans l'île est pourri, hein, genre... j'ai l'impression d'être dans l'hôpital psychiatrique, là, vu la gueule des murs. On va dire que je suis prêt à coopérer. Listen, Chief West, I realize that I'm in your jurisdiction. Octogone dans la prison. Non, on va se calmer parce qu'on pourrait avoir des problèmes. On n'est pas, on est en territoire ennemi, ok. If that means a confession from you and therefore less paperwork for me, then we've got a deal. I'm serious. Can't you see what's going on right under your nose? Mais non, il voit pas. Yeah. So what's going on that I don't know about? Fuller n'est pas innocent. Il y a un culte sur l'île. Je perds mon temps où l'affaire Hawkins est loin d'être résolue. Je vais partir là-dessus plutôt. The fire at the Hawkins mansion is just a tree hiding the forest. You contented yourself. Ah toi, t'aurais dit Fuller. Ouais, mais je me suis dit, ça se trouve, c'est le pote des flics, tu vois. Donc ça, je voulais pas balancer le aïe. But unlike you, we base our investigations. Balancer le blaze comme ça. Not on vague theories. And despite all that, you fail to see the truth. The only truth that I see is that you're finally where you belong. Ah, je bilanguine la prison. Come on, I'll show you to your new residence. I'll be back later to ask you some questions. Okay. I hope that you'll make the right choice and confess to everything. It would be as unpleasant for you as it would be for me if I had to adopt more advanced questioning. Tu vois, ils vont nous la faire jouer FBI night, là. Ils vont nous tabasser pour nous faire tout avouer. Oh mon dieu, ça va être terrible. En plus, il y a des infiltrations d'eau dans cette prison. Franchement, on n'est pas bien lotis. Who's there? Pardon? Qui me parle? J'ai des voix dans ma tête. Il pleut dans la prison. Oh my god. Mais je vais me noyer, fuck. Allô? I am the one men name Leviathan. J'ai des branchies, tout va bien. Il a un gros pif. Mais pas de tentacules. Which I came to share with you, human. Oh, avec moi. Ah, je peux pas parler. Genre, je suis en train de me noyer, au secours. You will not be able to speak or escape my influence. Ah bon. si je peux pas parler, ni échapper, en gros, j'ai que ça comme choix. Je vais mourir si je fais pas ce qu'il dit, on est bien d'accord? C'est dans ta tête, il n'y a pas d'eau et personne à l'écran là. Ah, c'est donc ça. Bah, je vais quand même tenter de parler. Essayons de communiquer avec cette chose. I told you to behave. You are here to accept the knowledge and follow the path. Donc ça veut dire que je suis obligée de me soumettre. Je dois ployer le genou, c'est ça? Nope. Particularly those with such rare characteristics cannot refuse. J'ai bien envie de refuser quand même, hein. Vous me paraissez très aimable, monsieur, c'est bien gentil, mais... Il est pas très patient? Ah! Pourtant, il fait du long monologue dans le genre, hein, super méchant. Il a dit qu'on fait cède le flic tout à l'heure. Ah bon? J'accepte. On va voir ce qu'il a à nous dire. Oh mon dieu, mais c'est terrible. C'est moi le démon de cette île en fait. Allez, j'accepte. Ceci affectera votre destin. J'aime pas quand ça affiche ça. I'll let you see for yourself. But do not forget. Mais n'oublie pas.
Mais n'oublie pas quoi ? Mon destin est écrit. Oh mon dieu. Ça y est, je suis du culte. Bienvenue dans une secte, Nao. Yes. If you happen to use your powers again, you may lose more than your life. Ça va peut-être pas la protéger. Oh, c'est moi le méchant. C'est moi qu'elle va buter peut-être. The bootleggers have the painting. If the dimensional shambler is to appear, he will do it here. C'est moi le vagabond. The shambler. C'est moi le vagabond, ça se trouve. I knew it. No. Not again. Ah bah super la résistance de la meuf. Oh fuck, je joue Sarah. Algernon, come back! Oh mon dieu! Je préférerais rester spectatrice de ce moment en vrai. Where is Algernon? Ah! Là-bas, il y a des trucs. Comment on descend de cette chose? Oh! What? Attends, il y a des morts ici. Attends, il y a une échelle là. On va la prendre, ce sera plus sûr. No way back. Ils sont là-haut. Comment je vais là-haut? Là, il y a une poignée, genre. Tout le monde est mort, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? What the fuck? My god. Ah, il est là, Drake. What the fuck? Chut. Hey! You can't leave us! Sorry, old friend. It's either you or me. Comment elle s'appelle la Kat, Kate? Open! Open! Open up! Open this door! Et pourquoi il attaque pas Drake, genre? Oh my goodness! De bon matin, ça fait plaisir en tout cas. Oh, 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 oh. Salut Casual Player. J'espère que vous appréciez ce petit réveil en douceur que je vous propose. The beast is within our reach. C'est vrai qu'il ressemble un peu à Wendigo, t'as raison. Are you sure you want avec to do plus it? Elle. Qu'est-ce qu'on va faire? Quickly, non, moi je pense me. Que c'est une mauvaise idée. Hein. Ah mais il s'est fait défoncer le gars, genre réellement. Et là, on va où? On va bannir le vagabond. Yes, très bonne idée. I'll never forgive myself for this painting. Ah, parce que c'est moi qui l'ai invoqué en... bah oui. Tout ça, c'est ma faute. Attends, mais il est parti dans un trou. Il est parti dans un trou. Ah, il est parti là. On peut pas y aller? Ah. Bah alors, là, peut-être? Non, là ça va nous faire monter. Non mais je sais pas par où on va en vrai. Il dit quoi Drake? Il dit qu'il faut aller où? Là-dessous? Ah. Ceci expliquerait bien des choses. How do we kill it? The Shambler can open breaches between dimensions. He uses glyphs as anchors to stay in our world. Then I des glyphes. Must destroy these glyphs. Détruire les glyphes. Exactly. Yes. How can I find them? I will make the glyphs visible so you can revoke them. By doing so, this zone will be protected by a barrier. Perfect. Je le sens pas du tout, c'est... I'll create the protective barrier. Get back inside it as soon as you sense the slightest danger. The first glyph must have appeared somewhere on the floor. Sur le sol. How many are there? Sur le sol.
J'ai entendu un truc? Non. Find that symbol, Sarah. It should react to the light if you use your lamp. Oui, c'est ce que je fais, hein! Mais je vois rien! Et si j'active d'ici, est-ce que je vois? Pas du tout, hein. Sur le sol, on a dit. The first glyph must have appeared somewhere on the floor. Oh, le sol! Attends, suis le sang là-haut peut-être. Ça m'a l'air d'être une très mauvaise idée. J'ai fucking peur. Ouais, ouais, j'ai compris. Il réagit à ma lumière, mais... Ce remake du chapitre 1. Non, c'est pas... Attends, il faut peut-être que j'aille en bas. J'ai pas été en bas encore. Quelque part sur le sol. Mais oui, c'est ce que je cherche. Find that symbol, Sarah. It should react to the light. Ce bala. J'ai plus d'huile. Je reviens. Bon, j'ai fait tout le tour par là, on est d'accord? Oh là là, mais je sais pas où il est ton putain de truc! Ça doit être à l'étage quelque part, j'imagine. Bon, on va devoir monter, hein. Ok. Oh, 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 c'est ça. Bah, c'est ça. Cliff, I can't move it. Is it acting against me? The ritual is working. Don't worry. It's just until I ward it off. Oh no. The wanderer is back. The glyph is missing. Symbol has been revealed. You know what you have to do, Sarah. Okay. Il est révélé où? Tu l'as vu? Tu l'as vu peut-être? I need some oil. Merde, fuck. Huile. He's getting stronger and more aggressive. If he catches up with you, try blinding ah, him. Ah, okay. Essaye de l'éblouir s'il m'attrape. The second glyph must have appeared. Let's press on. Oh là là, le second glyph. Bon, on y va. Est-ce qu'il va me laisser le chercher tranquillement? Faudrait que je me souvienne du chemin retour, quoi. That is what I'm doing. Mais je regarde, je ne fais que ça, je regarde. J'ai raté. Oh, attends, c'est pas ça là-bas? Non, j'ai pas vu un truc, j'ai vu de la lumière là-bas. Non, mais c'est dans la cavité, je crois. Ah, rien à voir, donc. The second glyph must have appeared. Let's press on. Tain, mais où il est ce foutu glyph? Nao, tu as un défibrillateur à porter? Bah non. Tu crois que j'aurais eu besoin d'un défibrillateur? On peut pas ouvrir, donc c'est pas là. Forcément dans les parages. That is what I'm doing. Merci Sherlock. Ça m'aide absolument pas, sache-le. Fuck. Je suis passée à côté? What?
Où ça? Bah je l'aurais vu quand même. Non? Je fais chemin retour du coup hein. Ah non, c'était le premier. Ah oui, non, ouais, c'était le premier. Ah. Bon, je me concentre hein. Hop, de l'huile. Je vais essayer d'aller là. C'est dans une cellule. Le premier chemin que tu as pris en repartant de la glisse centrale dans une cellule. That is what I'm doing. Ah ouais. Putain, comment on va là-dedans? Oh. Je l'ai pas eu, je suis obligée de le bloquer avec la lampe. J'y retourne. He's getting stronger and more aggressive. If he catches up with you, try blinding him. Recommencer. The second symbol has been revealed. You know what you have to do, sir. Okay, je prends de l'huile. J'aurais dû essayer de me barrer par l'autre côté aussi. Attends, ça va pas changer de place, j'espère. Non, c'est bon. Je suis au deuxième. Tout va bien. Ah bah alors ça va alors. Je me disais ça fonctionne pas et tout. Mais c'est bon, c'est cool. Bon, on retourne au deuxième. Quelles sont mes possibilités de sortie? Je peux sortir de l'autre côté ceci. Attends. Allez Nao, tu peux le faire. Ce jeu n'est... The Shambler is trying to anticipate our actions. The second glyph must have appeared. Je suis très bien sur mes quêtes de fils. He's getting stronger and more aggressive. If he catches up with you, try blinding him. Je vais vous tuer les oreilles de bon matin, mais c'est pour votre petit plaisir. Bon, le premier glyphe, c'est bon. The second symbol has been revealed. You know what you have to do, Sarah. Oh, fucking merde. Le compteur. Bah, surtout reculer plutôt que de se retourner, non? Ah, reculer, tu crois? Faut donc que je marche en marche arrière. Très bien. On adore. C'est un concept que je maîtrise pas complètement. Je vais me retrouver dans les murs, ça va être pire. Je suis bloqué. Je suis Fuck. You started me, my friend. Il me faut une caméra de recul. Trying to anticipate our actions. The second glyph must have appeared. Let's press on. Allez, on y retourne.
Deuxième café, j'arrive pas à me lever. Peut-être que tes cris vont m'aider. Ah bah yes, hein, n'hésite pas surtout. He's getting stronger and more aggressive. If he catches up with you, try blinding him. Je peux pas passer, je peux pas y aller en marche arrière, c'est impossible. Je pense qu'il faut que tu l'éclaires d'un coup. Tu avances, tu te retournes pour le rééclairer. Ça doit être ça, hein, parce que marche arrière, la marche arrière n'est pas une technique abordable de mon côté, visiblement. Je me prends des murs. Donc, bon, le premier glyphe, c'est bon. Non, mais on va trouver la strat. Hein. Allez, le deuxième glyphe. Oh, quelle surprise, il est là. T'es déjà là, toi. Putain de connard. C'est bon, c'est validé. Hop. À tes dégâts. I have the impression the Shambler is trying to anticipate our... Pourquoi c'est à moi de faire ça? Je suis pas Sarah, moi je suis Pierce, hein. Rappelons-nous quand même. Let's press on. Ah, si j'y arrive, je suis trop forte. Hein. If he catches up with you, try blinding him. Breach the barrier to ward off the creature. Pardon? You have to lure it in front of me, Sarah. Do you understand? Non. Once it goes after you, I need you to guide it towards me. Fuck! C'est une très mauvaise idée. Ça fait un peu DJ Nao quand tu actives la lampe. Ok, bah le troisième glyphe d'abord, hein. C'est là-haut, non? We're almost there, Sarah. Only one glyph left to find. Oh no. Release me now. Algernon. Done. Quickly. Bah non, j'ai pas pu la tirer du coup. Il est... Je sais pas par où il est apparu. Il était déjà sur moi, genre. J'ai besoin d'huile. D'huile. Oh, quelle merde. Attends, mais par où il est sorti? Oh. Par là, semble-t-il, hein. En fait, il peut sortir de deux endroits. Tu sais quoi, je vais me foutre là. Quand même, hein. Bon, attendez. J'ai besoin d'huile. Ça, c'est une chose. Je suis restée trop longtemps sur glisse sans qu'il s'enclenche. Ah, yeah. Ah, attends, parce que je vais passer par là tout à l'heure, on est d'accord? Ça serait tellement plus simple qu'il arrive. J'arrive pas à sortir!
Alors attendez, je me repasse le chemin dans ma tête. Il faut qu'on arrive par là. Je fais ça. Ok. Ici. Ah mais la prison est vraiment pas loin en plus. Genre, mais c'est tout court en plus, c'est tout droit. Et quand j'arrive là, ok, j'ai ça sur la droite et zou. Attends, je vais me reprendre de l'huile déjà parce que là, j'en perds. Je n'en ai plus. Sinon, je peux peut-être prendre le chemin court. Non, 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 ça passera pas, je pense, le chemin court. En vrai, faut que je prenne ce chemin long, là, je pense. We're almost there, Sarah. Allez, almost there. Yeah, yeah, yeah. A commencé à consommer sans modération, genre. Là. He's getting stronger and more aggressive. If he catches up with you, try blinding him. Mais j'y étais. Attends, what the fuck, ça veut dire qu'il faut que je fasse ça, que je prenne de l'huile au passage et que je revienne dans le glyphe l'immobilisé devant Drake, c'est ça qu'il faut faire? Ok. C'est ce qu'on va faire du coup. Hein. Mais est-ce qu'il faut que moi je sois dans le glyphe? C'est super hardcore. En plus, je tremble, genre j'ai Harlem Shake dans mes mains quoi. J'ai vraiment une pression des enfers quoi. Voilà, il est là. Yes, n'hésite pas. Caillou de mort. Je vais aller dans le tableau. Mais non. Non. Merci Julouve. Merci beaucoup, mais non. Franchement, c'était romantique. Attrape-la par la cheville. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais non. Mais non. Mais non.
Hawking, accompagné d'Algernon Durek, est parvenu à renvoyer définitivement le vagabond dimensionnel au terme d'un combat acharné, on peut le dire. Mais ce tour de force lui a coûté ce qui lui restait de conscience. Elle a succombé à l'appel du mythe. Non. Prochain world boss, c'est Sarah Hawking du coup, hein, on est d'accord. Sarah Hawkins. Why did she do it? Damn it. Damn it. Tiens, la piscine est partie. Did our guest enjoy our hospitality? Let me out of here. I'm warning you, Pierce. I want a short and clear cut. Mais des aveux de quoi? Do you admit your guilt in the case brought before you? You don't. Mais si j'admets, je sors jamais de la prison. On this damn island. Chief West, we got a problem. Damn it, not now. Oh. What is it this time? Captain Fitzroy. Prochain boss, c'est Sarah avec des bras tranchants et des tentacules. They went berserk, attacked the patrons, smashed the place up. It's chaos. This is only the beginning. Let me out. Let's go take a look. Tell Sullivan and Marshall to keep this. Bon bah là, le moment est venu de s'évader, moi je dis. Hein. Prison break. Stupid. Don't you understand? Y a-t-il seulement quelque chose? Ah. Idiot. Ah, je dors. C'est pas ce que je pensais faire à la base, mais visiblement ça fonctionne, donc pourquoi pas. Oh god. Ok. Oh non, pas encore lui. On n'en peut plus de lui, hein. Salut. La vérité, hein. As your mind expands, and finally oh, il a pénétré ma cellule. Are you ready to see your world and the ones? Es-tu prêt à voir le monde et ceux qui le peuplent tels qu'ils sont vraiment? What? Que suis-je censé répondre? Râteau, petit poney, tête de piaf. Ou alors baguette de sourcier, film porno, fusée. Fais un stropole. Ou alors vous avez ici Eldorus, petit drapeau qui flotte, trident. Le milieu à gauche, milieu à gauche. Alors ici vous avez fourche de la faucheuse, clé pour entrer chez toi et un arc. Nickel. J'ai un call sur le bas à gauche. Le bas à gauche, t'as quand même une arbalète sur un dos de caïman. On peut partir là-dessus. Donc vous êtes entre ces deux-là. Hein. L'arc du coup. Allez. Pourquoi ça me correspond? Ah oui, parce que je suis naze. Allez, ça me correspond du coup. Hein. Ah bah je suis partie à gauche, j'ai pas joué Macron, désolé. J'ai vraiment été... j'ai choisi en mon âme et conscience. Hein, avec cette langue que je maîtrise depuis ma plus tendre enfance. Le Cthulhu, bien sûr. Ça se trouve, ça donne vraiment des fins de jeu alternatives, tu vois, d'avoir choisi cette option plutôt qu'une autre. Oh. Oh, what? Salut Kat. I never would have thought you so naive. It's all your fault. You could have stopped this whole. Comment ça j'aurais pu tout empêcher? Your army buddies, the villagers, me. Attends, j'ai un cas de culpabilité là, c'est ça qui se passe? On essaye de me blâmer? Qu'est-ce qu'il va faire? Oh! Méchante. Mais toi qui étais mon ami. Non mais personne n'est sympa. Ça c'est l'amour hein, qui te transperce. Ils sont tous au bout de leur vie quoi, c'est ça qui se passe. Lui aussi va me tuer du coup, c'est ça qui est bien. Ça va être énorme. Ah, j'ai jamais dit milieu gauche, moi. Il me tue pas.
c'est mon portrait. Sarah, elle m'a dessiné, genre, elle a rêvé, voilà, je te vois dans mes rêves, elle rêve de moi. En fait, elle est amoureuse de moi depuis le début. C'est sûr. Attends, c'est un signe. C'est obligé. Hé, hey, c'est pas mon truc de détective par hasard? Et là, je me réveille, tout ça n'était qu'un rêve depuis le début. Ah non, c'est pas ça qui se passe.